La Grande Odyssée VVF, c'est une course qui se déroule sur une douzaine de jours, qui traverse la Savoie et la Haute-Savoie, ainsi que l'Isère. C'est une course à étapes avec une trentaine d'équipages et pas loin de 600 chiens sur une distance de 30 à 40 km chaque jour, avec un cumul de 10 à 15 000 mètres de dénivelé. Il y a beaucoup de dénivelé, de parties techniques. On est beaucoup sur des secteurs alpins qu'on ne va pas forcément retrouver sur d'autres compétitions. C'est éprouvant physiquement pour le musher et pour les chiens. C'est la course la plus importante en France par rapport à son dénivelé et puis par rapport à son plateau de musher, puisqu'on vient se mesurer aux plus grands attelages de haut niveau. C'est une aventure, c'est 12 jours avec les chiens, 12 jours à travers les montagnes et de nouveaux paysages tous les jours, et on s'en lâche jamais. Quand j'étais petite, c'était un rêve de voir les musher y participer. Et je pensais pas qu'un jour je serais sur cette course.